Avertissement, ce programme peut comporter des scènes et langages pouvant ne pas convenir à un jeune public. Voilà, on lui fait du mal, on lui fait du sale. Non, on lui fait du sale. On lui coupe des orteils et tout, tu voilà, on lui fait du sale. Bon, mais t'es gueule, toi. Le psychopathe, bon. Voilà, il m'a touché, voilà, il l'a fait pas me toucher. Qu'est-ce qu'il m'a touché? Ouais, bah oui, mais t'as tenté de le mettre en l'envers, t'inquiète. Voilà, il y a une raison de plus pour lui faire du mal. Une raison... D'accord, c'est bon. Je vais essayer et toi, essaye de tirer pour qu'il se barre le plus vite. On va lui tomber un sac dessus, on va le baiser. Voilà, toi t'essayes de tirer pour qu'il se barre, tu vois, le plus rapidement possible. Moi, Adrien, toi tu. Et puis tu nous fous les informations à moi et Adrien, et moi et Adrien, après, on se charge du reste. Okay. Yes, c'est moi, je sers à rien. Par contre, juste une petite chose. La Zoé, c'était moi, je sais pas si vous l'a dit, mais par contre, pour les autres citoyens, en fait, je suis compté comme morte, d'accord. Maintenant, pour les autres, c'est... Pas de problème, je dis rien. De toute façon, tout le monde doit appeler Julie maintenant et pas Zoé. D'accord, même toi, je dois vous appeler Julie, quoi. Julie Petchop, non. Je dois vous appeler Julie, quoi. Non, Julie Petchop, ça se dit, non, ça se dit. Petchop. Avec un accent. Pitcher. Avec cette action là, pitcher. Pitcher. Avec cette action, pitcher. Tu sais pas, wesh. Pitcher. Pitcher. Bah, toi le premier. Ouah, ta gueule. Octogone. Direct, voilà, je te prends un octogone. Et que j'irai mieux, bien sûr. Un octogone qui est assez là où tu veux, voilà. Je l'ai fait. Aïe, aïe. Ah bah du coup on fait quoi? Bah du coup toi t'es quoi? T'es en arrêt, t'es quoi? T'as rien du tout. D'accord. Et il faut t'essayer, toi t'essayes de faire sortir le plus rapidement possible. Non, moi d'ailleurs faut que j'aille prendre mon service là parce que j'ai deux journées d'absence, tu vois. Ouais bah voilà, et t'essayes de le gérer pour le faire sortir plus rapidement. Et dès que t'arrives à nous faire sortir, tu nous contactes. Et après, nous, on se charge du reste avec Adrien. M'emmène, s'il te plaît. Et toi, ce que tu fais, c'est que tu dis rien. Ouais, tu t'aides, toi, après. Et Julie, ce que tu peux faire... Moi, je sais pas, faut que je sois un peu à me donner. Vas-y, pas de problème. Attends, je vais m'écarter. Mais non, mais vas-y, dis ce que t'avais à dire. Comment ? Dis ce que t'avais à dire. Mais ce que tu pourrais faire, c'est si tu veux par exemple, si tu voudras lui parler, tu vois, tu nous le dis avant, tu vois, avant qu'on aille s'occuper. Si tu veux lui parler, genre tu lui dis ouais, ça, t'es un connard ou un truc. Moi, comme si ça, je le vois, je me sers du pistolet que j'avais trouvé à un moment donné. Oui, parce qu'à un moment, je suis censé ne pas avoir le PPA. Ouais, mais moi j'ai des comptes à régler avec lui avant, si ça serait possible. Au pire, tu le tueras à la fin si tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais je m'occupe un peu de lui, tu vois, je lui fais du mal. Et après, je te laisse. Bon. Du mal. De toute façon, il vaudrait mieux pas que Pape soit là, parce que je sais pas si tu le connais. Il est assez psychopathe, même s'il est calme. J'ai pas compris, pardon. Paps, il est un petit peu plus... Malgré qu'il est calme, il est assez psychopathe.
Bah quand on est dans le coup. Un copain comme moi. Parce que... En gros, t'es un psychopathe quand des fois et des fois t'es pas. Ah, quand même, c'est quelqu'un. Tu vois. Je sais pas en gros, quand on touche à ta famille, t'es vénère. Et je te comprends. Bon. Bah déjà qu'en fait, il a tué le meurtrier de ma mère, donc bon. Hein. Ouais. Et c'était au Japon. Et oh, au Japon, il n'y a pas 4 flics dans la ville. Hein. Il y en a des milliers. Ouais. Comment t'as réussi à t'en sortir? Ah, ouais. T'inquiète pas, un vieux braille. On était une grande organisation en ville. Dans la ville du Japon. Bon, moi il faut que j'essaye de. Il faut que je trouve des gens. J'espère qu'elle va réussir à lui faire dégager le plus rapidement possible. Après, il faut que je trouve de quoi lui faire. Ça va ou pas? Ouais, ça va et toi? Ok. Juste pour vous savoir, t'as quel âge, Julie? Ouais, c'est ça, Julie. Le 27, je vais sur mes 19. Le 27, je vais sur mes 19. Ok. Donc, ouais, 18, quoi. D'accord. Ok, d'accord. Alors, le 27, c'est la date, hein. Je sais pas si t'as compris. Ah, d'accord. Ok, c'est bon, je viens de comprendre. Le 27, on est le combien? Non, mais il prend un peu de temps à réfléchir, il est un peu bon. Parce que je sais pas si c'était au courant, mais le 27, tout le monde dans la ville prend 300 d'affilée. Ah bon? Ah ouais. Ah ouais, j'ai... Ah ouais, je vais devenir vieux. Ah, la même. Voilà, j'aurai la trentaine. Bah, ça va, moi, tranquille, j'ai 23. Tranquille. Je veux quoi avoir, hein, ça va être 26. Tranquille. Bon, c'est quand t'es Titi. C'est quand t'es. Ouais, j'étais sérieux! Non, là, tais-toi, voilà. Bon. Du coup, en fait, j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'on fout à l'hôpital, en fait. Ouais, bah, en fait, on a attendu, puisque je te rappelle que tu t'es pris une balle dans le pied, quand même. Ça va, c'est qu'un pied, je vais bien. Ouais, envie. Pied, c'est. De toute façon, ouais, au fait, pied, ça va te manquer, hein. Il faut que je le retrouve. Attends, il faut que je le retrouve. Ah, pied, attends. Si t'en as pas, ça comment va te manquer. Je pas, ça va pas te faire mal, hein. Bon, je suis en vie. Et puis ça, c'est le principal. Malheureusement, oui. Ta gueule, wesh. Eh, t'es sérieux, toi? Eh, je te taquine. Tranquille. Bah, tu sais quoi, va te faire foutre, voilà. Voilà, va te faire foutre. Non, c'est pas possible. Cher. C'est ce qu'on appelle une boutade. Cher. Vas-y, ta gueule, voilà. Faudrait que je demande à Chloé si je peux frapper sa fille. Je suis déjà ouais, une femme, non. Ah merde, c'est vrai, toi t'es dedans, mais je peux frapper ta fille. Non. Merde. Je te demandais la fille. Voilà, elle va partir toute seule, je te le dis, elle va partir toute seule. Il y a des trucs que j'ai pas suivi, là. Alors si tu peux faire quand j'étais avec Zid. Ouh merde, oula, j'ai rien dit. Elle, Sarah. Qu'est-ce que t'as rien dit toi? Elle, du coup, Sarah, c'est ta belle-sœur. Alors non, typiquement, on est censé être demi-sœur du coup. Ouais, demi, sache que je suis con, tu vois, je réfléchis pas. Ouais, t'es demi. Allez, après ça part demain, vas-y, tais-toi maintenant, va te coucher. Ok, toi, tu tiens de ton beau-frère. Oh là là. T'as vu ça? Ouais, t'as vu ça, Sarah, alors là, t'as vu, tu vois, tu tiens de moi, t'as vu? Allez, allez, on a un truc en commun. Pour moi, c'est quelqu'un. C'est le seul truc d'ailleurs. Ouais, fais enculé. C'est un truc, c'est même pas quelqu'un. Ouais, je me ferme ta gueule. Chose. Vas-y, ta gueule. Viens. Tiens, tu vois celui-là? Allez. C'est bien, Marmo. Tu sais qui est là, Marmo? Tu fais à qui ça? Alors il y a un à toi et un à... Alors, non par contre non, ça va pas passer toi. Toi j'ai de goumé toi. Octogone.
Est-ce que ça te dit qu'on fasse un petit peu notre organisation qu'on avait au Japon? Laquelle? C'est-à-dire qu'on mélange un peu légal et illégal, à la fois. Ouais, pourquoi pas. Parce que toi, franchement, je sais très bien que tu fais pas des trucs très très légaux en ce moment. Avoue-le. Non, c'est rare. Avoue-le. Ouais, c'est rare, c'est rare. C'est rare quand je suis pas très légal. Ouais. Parce qu'en fait, je vais t'avouer un truc, en fait, sur en gros, c'est moi qui rentre dans l'organisation pour essayer d'en savoir plus et essayer de toi te donner les informations. Et aussi à la police. Eh, je sais, j'ai pas perdu la main par rapport au Japon. Tu m'étonnes. Je te rappelle que c'est toi qui m'as appris ça quand j'avais 10 ans. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Et l'arme, en fait, ouais. C'est l'arme que j'ai, en fait, je l'ai eue parce qu'en fait, c'est pas... Tu te rappelles la dernière fois quand... Il y avait le président qui était accusé comme quoi d'enlèvement. Ouais. C'est moi qui l'ai inventé pour ramasser l'arme sur les Lost. Voilà. C'est quand tu m'avais retrouvé. En lieu de bain. Ouais. Mais en fait, là-bas, ouais. C'est là-bas que j'ai ramassé cette arme. De la mienne parce que je peux perdre. Bon, après j'avoue c'était un peu chaud puisque bon tu sais qu'ils sont en groupe là-bas donc je me suis pris quelques balles mais bon c'est rien qu'au Japon. Ils ont eu tous le coup du Japon donc bon voilà. Ça va, t'as que j'ai mon holster là dans sur la ceinture. Mais... par contre, moi je te dis, j'habite du côté de Paytobé. Du coup. Ouais, tout à l'heure tu m'avais parlé de Paytobé. Je sais pas si tu vois Paytobé, la petite maison en bleu là, en bas. Ouais, je crois voir, c'est laquelle. En face du magasin de vêtements. Ouais. J'habite juste là en fait. En fait, c'est juste la seule maison que j'ai ouais. Qui est accessible pour mon âge, quoi, du coup. Donc, bon. Après, je sais pas si toi t'es chaud pour refaire un petit peu de faux papiers, etc. Ouais, je sais pas, pourquoi pas. Mais ça permettrait qu'on change de nom si on souhaite, quoi. Au lieu de passer tout le temps par la police. Ouais. Et bien, si on doit se faire passer pour une autre identité, etc. Ouais, pourquoi pas, ça serait bien. Est-ce que c'est en cours d'être exporté l'usine qu'on avait au Japon? Là-bas. Bon, c'est une usine de fausses billets qu'on avait, mais on pourra encore à la rigueur faire des faux papiers, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens? Tais-toi. Tu dis rien, tais-toi, voilà, tais-toi. Dis rien, tais-toi. Ah là là là, tais-toi, voilà, tais-toi, papa. Dis rien, tais-toi. J'ai rien fait, tais-toi. Non, non, non. Tais-toi, voilà, tais-toi. Tais-toi. Tu te tais. Tais-toi. Ouais, mais tais-toi, je m'en branle, tais-toi, voilà, tais-toi. Oh, touche pas, mais ça je l'ai pas touché, voilà, je l'ai pas touché. Je me mis KO, ouais. Comment c'est pas vrai. C'est pas vrai, voilà, c'est pas vrai. T'es gueule, c'est vrai. Eh, c'est un mytho, voilà, t'es une mytho. Non, je suis caché. Voilà, je suis caché.
il est caché, on le voit plus, on le voit plus. Voilà, si je vais. Si je vous vois pas, vous me voyez pas. Viens, laisse-moi, voilà. Arrête de faire des fakes, sinon je te fais le coup de Japon. Non, j'ai un dos pété, laisse-moi. Je peux taper. Viens, je peux taper. Viens. Voilà. Là, je te jure, t'as ma parole, je peux te taper. Ah non, mais non, tu te fous là. Ouais. Oui, oui. La prochaine fois, c'est dans le pied, capiche. T'essayes de me faire peur, Adrien, mais mec. Ah, ouais, je rigole. Alors déjà elle a commencé à me frapper de 1. Donc je me suis défendu. Bon, je lui ai mis un coup de tatane, c'est rien. Je t'ai mis un coup de tatane. T'as eu mal, c'est pas ma faute que t'es faible. C'est pas ma faute que t'es faible. Je t'ai mis un coup de tatane. Je suis pas faible, ta gueule. T'es faible, si t'es je t'ai mis un coup de tatane, t'es tombé à terre comme une chips. Oh, t'es tombé, c'est pas le mec, t'es tombé par terre comme une chips, gros. T'es tombé comme une chips, gros. Ouais, alors je te promets, elle a plané. Tu vas passer. Elle est tombée comme un McDo, comme un sandwich. J'ai juste mis un coup. Tranquille. Comment c'était? Peps, du coup. Ouais. C'est veut dire que du coup, Sarah a du sang japonais, du coup, de base. Je sais pas, faut lui demander. Parce que ça, c'est Chloé qui l'a adopté. Hein. Ouais. Mais bon, après. Elle doit aimer le Japon vu qu'elle roule avec une japonaise. De toute façon. Putain! Mais non! Mais c'est un sketch! Mais non! Moi j'ai bugué frère, mais c'est quoi ce bordel? Non, c'est bon. Je suis calmé. Là voilà. Bon. T'as toi, je fous mon masque avec la gueule. Je plane comme l'avion de Pablo. Tu veux que je t'invite du coup? J'ai invité tout le monde. Attends. 18h. Ouais, je me suis explosé le dos. Quoi, je l'ai juste mis un coup de tatane, elle est tombée. C'est pas ma faute qu'elle tombe comme une chips. Ouais. Putain, coup de tatane comme moi là. C'était juste un avertissement là, ce que je te dis. La prochaine fois, je vais être moins clément. Alors, on va essayer de conduire normalement sans essayer de se péter le dos. Aïe, fais gaffe, frère. Du coup, moi, c'est bon. Quelqu'un a une idée? Alors, on va faire pas de. Est-ce que ça vous dit qu'on y a une sur la gueule parce qu'il faut que je le rénove aussi, au passage? Sur quoi? Sur le yacht. Sur le yacht. Zarma, il y a des yachts et tout. Ouais. Mais non. Ouais, et c'est le seul yacht exporté du Japon ici. Celui-là, il vient pas d'ici. Ouais, c'est spécialement le Japon. Et il est où ton yacht? Enfin, le yacht du coup. D'abord, je vais un petit point de vitesse, ça fait longtemps. Fasse gaffe là, si je... parce que si je tombe, je meurs. Donc vraiment, je meurs vraiment, voilà. Je meurs. Quoi. Donc je me calme un peu. Ah.
me casse la tête là, rallye merde là, je me casse la gueule comme une grosse merde, putain, non j'ai le dos comme une merde. Par contre, tu vois, est-ce qu'elle va. Est-ce, Adrien, elle va vraiment balancer ta fille à Natacha. Elle est capable de balancer. À toi, elle la balance à toi, logiquement elle va balancer à elle. Bah parce que j'étais avec toi, j'étais avec toi. Et alors, je suis sûr elle va balancer. Attends, il y a Mion qui m'appelle. Non. Et bah non. Mais elle a quitté le pilote au mauvais moment. Attends. Charles. Elle va raccrocher. Ah, c'est chaque fois, ouais, non, je sais pas ce que c'est. Ah oui, mais oui, attends, je suis con. Ok, j'appelle. Adrien, le mec qui s'est barré. Le mec qui s'est barré de la gare. Je sais pas, Ça a raté Bertrand, tu as le rallye. Si c'est quand ça l'a organisé, on va le choper là-bas. Ouais, vas-y, bien. On le chope là-bas. Alors, attends, il est quelle heure? Il est 21h. Dans combien de temps là? 30 minutes, c'est ça? Ouais, c'est quoi là? Ouais, tu peux, de toute façon j'ai déroncé le grillage, je fais exprès. Ouais, casse-toi le grillage de ma voiture. Putain, mon dos, c'est un truc de ouf. Ouais, faut quand même. Je suis trop enfermé en vrai, Adrien. Faudrait que j'essaie de trouver une meuf. J'essaie de trouver là. Je sais pas, il faudrait que je. Normalement, il faudrait que. Voilà, que je me balade un peu. Ah, mais il n'y a plus personne de célibre dans cette ville, c'est un truc de ouf. C'était sur les occasions. Mais dans les occasions, je connais R dans ce monde. Dans cette ville, quoi, l'air. Hop, change le truc et ça, sera bon. Big Boss, Adrien, ouais. il faudrait choper un moment où après ils sont pas, s'il est parti en garde à vue, il faudrait choper pile au moment, tu vois, il faut faire semblant que tu vois qu'on veut lui parler, tu vois, et par derrière, tu vois, on le chope. C'est ce qui me fait chier Adrien en fait le plus. Je peux dire un truc. De toute façon, en fait, en gros, si on l'élimine, en fait, ils pourront pas. L'organisation ne pourra plus faire de meth. Puisque c'est lui qui fait de la meth. Et bah du coup, on aura sauvé la ville. Ah bah attends. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Non, c'est pas lui qui fait la meth. Je connais son chef. C'est lui. Non, son chef. Le chef, c'est pas lui, mais celui qui fait de la meth, le fabricant de meth, c'est lui. Je sais pas. C'est un fabricant, mais il y a d'autres fabricants. Je connais les trois. Il y a trois personnes dedans. Plus lui, ça fait quatre. Je les connais parce que j'y étais. J'y étais.
me fait plus chier si j'y passe, quoi. Tu sais, si j'y passe, c'est de rire. À tout moment, si par exemple je me prends une balle, et si je survis pas, tu sais quoi dire. Tu survivras, on est. Non, je sais pas. Le Japon, non, non. Mais t'es proche du Japon, t'inquiète. Reste proche du Japon et tu seras invincible. Ouais, mais c'est pas ça le problème, c'est que. Parce que c'est quelqu'un d'autre en fait. C'est quoi dire d'ailleurs? Mais si je m'en sors pas. Ouais, je crois. Ouais, bah tu dois savoir, c'est sûr. Tu sais bien de qui je parle. Ouais. C'est quoi dire? Ah putain. De toute façon, si tu meurs, vu que je t'ai connu, t'inquiète. Si tu te fais tuer, on le trouvera. Et on le gommera à son tour aussi. Non mais ce que je ferais, Adrien, je pense que je vais y aller tout seul pour l'instant. Et si je l'attrape, parce que ça peut être un piège. Je préfère que toi t'as quoi? T'as deux filles. Moi j'ai une sœur, une nièce. T'as deux filles. C'est important à tes yeux, non? On est bien d'accord sur ce point-là. Ouais. Moi aussi, mais moi c'est différent. Toi t'as encore de la vie. Ouais. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vais y aller en premier, je vais braquer en premier. Après, si je m'en sors, t'appellerai. Si je m'en sors pas, bah ne viens pas. N'y va pas. Rejoins ta fille. Ok? Que ce soit moi qui me fasse buter que toi. Putain. Pour info, il se fera jamais buter vu que. Je te rappelle qu'il est psychopathe et qu'il n'hésite pas à tirer face à une arme. Oui, mais on sait jamais. Une balle fatale, ça peut le tuer. C'est pas parce que c'est un psychopathe qui peut pas se faire buter. Il vient du Japon, c'est un invincible. Pas obligé. Bah si. Regarde, moi je réussis à rentrer dans. Je préfère quand même. J'ai réussi à rentrer dans leur putain d'organe et à changer de nom. La preuve qu'on est invincible au Japon. Je préfère me sacrifier à ça. S'il y a un problème, je préfère me sacrifier. Le sacrifice au Japon ne compte pas. Il n'y a pas de sacrifice. Ouais, ça va compter pour moi. Ouais, ça compte. Mais pas au Japon. Ouais, j'ai... Si tu viens te faire tuer, j'arrive pas à avoir une vie normale. J'arrive pas à avoir une vie normale. Ouais, écoute. Je préfère avoir une. Écoute, si tu dois mourir, le Japon s'occupera du quelque de celui qui t'a tué. T'es pas du Japon. T'es pas du Japon, mais tu les as connus. La seule croyance que tu dois avoir, je sais pas si t'es croyant, mais si tu dois devenir croyant, ou si t'es croyant, crois au Japon. Et le Japon te protégera. Hein, papa? T'en penses quoi? C'est pas vrai ce que je dis? Ouais. Ouais, c'est ça. Je vais dire une chose. Je préfère vous mettre en sécurité, vous deux. Zoé, faudrait que tu viennes pas. Il faut pas que tu viennes. Appelle-moi Julie. Okay. Pas Zoé. D'accord. Julie, ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Julie, il faut pas que tu viennes. Faut surtout pas que tu fasses l'erreur de m'appeler Zoé devant les gens. Mais il faut pas que tu viennes, tout court. Il faut pas que tu viennes. C'est trop dangereux. T'inquiète. Non, c'est pas possible. Il faut pas que tu viennes, Julie. Je préfère vous protéger votre famille que moi. Viens pas, s'il te plaît. Je sais que j'ai pas d'ordre à te donner, mais. Puis, si tu te ferais buter au passage, non, ça pourrait pas passer. Bien pour ton père. Pour moi. Que. Moi, je vais te dire une chose, il est silencieux, mais il en pense pas moins que moi. Ouais, mais quand même, je suis désolé, tu peux pas venir.
Hein? Parce que tu crois que moi et Pops, on va te laisser mourir et qu'on va te laisser tout seul? Je préfère faire ça. Je préfère qu'on me laisse mourir. Bah, je crois que tu rêves. Zoé, de toute façon, il faut pas que tu viennes. C'est pas Zoé que je m'appelle. Ah putain! Ça va venir. Bon, il est 15. Il reste 15 minutes, on va se préparer. Je vais vous expliquer un peu, j'ai un petit plan en tête. On va aller à Palais-Tomé parce qu'en ville c'est beaucoup trop risqué, les murs ont des oreilles. Ouais. Adrien, tu sais où on a rendez-vous? Non, pas le plan. Tu sais où on a rendez-vous ou pas, Adrien? C'est profond du cœur, ça. S'il y a un point à mettre, mettez-le maintenant. On va aller... Moi, j'ai une idée, on va aller là. Je sais où c'est. Okay. On va aller là. On va se poser là et puis je vais expliquer un peu le plan. Zoé, s'il te plaît, viens pas. Big Boss, tu vas rester caché au cas où. S'il sort une arme avant et il me bute avant, au moins tu seras... T'es un sniper ou pas? Arrête de flipper, fais-nous confiance, d'accord? Oui, mais c'est... Je préfère... Tu te tais. Aucun de nous ne va mourir. Ni toi, ni Paps, ni moi, d'accord? Oui, mais de toute façon, s'il y en a un qui meurt, je préfère que ça soit moi. Qu'on soit bien clair sur ce coup-là. Personne ne va mourir, non? Il n'y a pas à être clair. Personne ne va mourir. Non, mais je vais te le dire avant. Rapide. Je préfère que ça soit moi qui meurt. De toute façon. Personne ne va mourir. Oh là là. Ouh. Eh oui, j'ai des origines japonaises. T'es comme ton père. Eh oui, au Japon on était dessus. Ouais, mais quand même. Je préfère pas. Donc tu veux. J'ai un plan. Tu veux être dedans, y'a pas de problème. J'ai un plan. Ce que tu vas faire toi, c'est que tu vas essayer de trouver un 4x4 noir, un truc pour le transporter. Là tu vas être un peu la chauffeuse quoi. Après, Adrien, t'es là? Adrien, il s'est encore endormi ou il s'en va aller? Adrien, wesh! Bon, quand il sera là, moi je vais partir avant. Tu lui diras. Pourquoi j'ai gagné? Oui. Tu lui diras de prendre un sniper. Il va se mettre pas loin de moi, comme ça moi je peux le prendre par là. Du courant que les snipers dans la ville, quoi. De la ville n'ont pas de balles. Mais j'ai pas un truc pour le blesser, vous prenez un truc pour le blesser, c'est tout. T'inquiète. Ça te sert quoi. Mais en tout cas, il faut que j'y aille avant. Je préfère y aller avant parce que vous serez plus en sécurité quand même si je vais en premier. T'es sûr toi d'aller là toi? Attends, j'ai un autre endroit. Là, j'en ai mieux. Pas loin, quoi. Pas loin de l'aéroport de Trévor. Ah, d'accord. Bon, c'est là. Je me souviens que c'est là. Ouais, organisation fantôme. Parce que, hein, la carte, c'est bien, mais... Hein. Allo? Ouais, t'inquiète, j'ai terrible. Ouais, fais attention. Voilà. Bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette petite hélico ici, là. Adrien, t'es là? Ouais, voilà. Ouais, ok. Au pire, je te donne les clés de cette hélico. Parce que celui-là. Ok, merci. Celui-là, il va être trop cramé ici. Alors, au pire, ce que tu vas faire, toi, c'est que tu vas prendre cet hélico pour venir le chercher après, ok?
On te reverra un signal. Oups. Adrien, toi, ce que tu fais, c'est qu'il faut que tu te poses avec un sniper ou quelque chose qui peut le. De distance, qui peut le prendre. Non, ok? t'arrêtes pas ce que j'ai. Ça sent bien aller loin, ça. Et moi, je vais aller le braquer. C'est parti. J'espère que je vais pas mourir en bataille. Donc, je te check. J'espère que ça va aller. Par contre, mets un masque, au moins qu'il t'a déjà eu. Ouais. T'inquiète, non, check non, je préfère, non, je préfère, non. Je préfère. Non, je préfère. Non, parce qu'après, il va croire qu'on va. Non, non. J'y vais comme ça. Il est tout seul. Allez, j'espère qu'il va être tout seul. Bon, allez. Putain. Bonne chance. Par contre, je te dirai de l'inviter dans l'orga quand il faut. Ouais, t'inquiète. Allez. Ça va aller, ça se passe. Allez, on le coup. Allez, on le suit. J'espère qu'il n'y aura personne. On va se galer un peu plus loin. En pire, c'était l'écho. Ce qui est pratique, c'est que c'était l'écho et une caméra en pire. Putain. Oula. Faudrait que j'apprenne à conduire un hélico. Bonjour monsieur. 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 Excusez-moi. Bonjour. Monsieur. Monsieur. Oh, répondez-moi. Bonjour monsieur. Allô. Monsieur. Monsieur. Allô. Monsieur. Ah merde. Attends. Allô monsieur. Monsieur. Bonjour. Excusez-moi. Vous pouvez sortir 2 secondes. Il faudrait que je vous parle d'un truc, s'il vous plaît. C'est rapide, hein, vraiment rapide. Rapide. S'il vous plaît. C'est à toi. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur. D'accord. Ok. Ah, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Mais vous êtes bien Léo, hein, un certain Léo, on est bien d'accord. Donc quelque chose. Ouais, c'est comme ça. Vous êtes. Ah, vous. D'accord. Alors vous allez vous sortir du véhicule. Wesh! Il est sérieux? Ouais, je l'ai pointé, il a foncé sur moi. Il a foncé. Putain. Il va falloir attendre. Non mais c'est un skate, wesh. Putain. L'envisager, c'est bon, je l'envisage. Monsieur, arrêtez, je vous conseille. L'envisager, je l'envisage. Comment on peut faire? Non, mais c'est normal ça, putain. Casse la tête. Tu penses que tu peux tirer là où t'es? Ouais. Ah, on a vu, là, il est rentré dans le garage. Bah puis on attend à la sortie. Ouais. Okay. Il va appeler les flics, il va appeler les flics. J'ai une cagoule. J'ai une cagoule. Il faut que j'ai tenu rapide. Bloquer la route. Donner un masque. Si tu veux. Enfin, Julie. Il est sorti, il est sorti, il est sorti, je crois, non? Vas-y, bouge. Putain, je te respire. J'ai pété 5 000, c'est sûr. Là, c'est bon, je l'ai mis une balle, je l'ai mis une balle. C'est bon, c'est bon. Non, non, je vais te véhiculer. Attends, descends, descends, tout de suite, descends, descends. Vas-y, descends lui. Ouais, je le descends. Ouais. Wesh! Je descends. Allez. Du Dixon. What? Attends, hop, je les descends. Allez. Attends, bouge pas, bouge plus, bouge plus. Voilà.
Non, je te mets des cordes. Hop, maintenant, je te porte vers l'hélico là-bas. Allez, hop, je te porte vers l'hélico là-bas. J'ai ressorti le masque du Japon, lol. Bonjour monsieur la police, vous inquiétez pas, c'est rien, vous inquiétez pas, on s'amuse, c'est un jeu, vous inquiétez pas. Alors je te coupe tous les moyens de communication, t'as plus de téléphone, t'as plus rien. Hop. Hop. Ouais, bah fonce, 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 fonce. Non, là, le petit gars. Wesh, vas-y, vas-y, hop, je t'attache, hop. T'attaches à moi comme ça, tu peux pas sortir parce que là je m'accroche. Non, je sais, on va la mettre. Ne jugez pas le masque que j'ai sur moi, il vient du Japon. C'est moi, toi derrière. Merci pour le vent. Invite, invite l'argent. Invite l'argent. Mais attends. Falaise, on est sur l'île. Ah non, 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 non. Faut lui mettre dans un endroit caché, genre. Ouais, l'île, l'île. Est-ce que tu connais l'île, ouais, l'île, ouais, l'île, ouais. Ouais, bah oui, je connais. Dis-moi derrière, t'as bien. Celui qui fait la survie. Ah, attendez, je m'en occupe des corrompus. Elle veut pas parler. Elle veut pas parler, c'est derrière. C'est pas grave, on va le faire parler de toute façon. De toute façon, il n'y a pas besoin de lui faire parler. I take it this isn't a social call. Bien vu que je lui ai une belle. So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay. Ah, vous inquiétez pas, leave it with me. On a tout on a toujours quelque chose. Alors, attendez, je le porte. Ah, parce que la balle a traversé. Ouais, c'est bon, la balle a traversé. Faut que je te lui mette un bandage. On le met un bandage. Je le mets à l'intérieur comme ça, on est caché. Tac. De toute façon, il n'y a pas de réseau, donc si tu as un téléphone, il n'y a rien. Il n'y a pas de réseau, de toute façon, mais je vais pas. Je t'ai déjà retiré normalement. Donc, je t'ai tout retiré. Il y a une boîte de qui sera du courrier. Je pense pas qu'il en aura. Donc, bon, je vais lui mettre les bandages. Vas-y, passe-les. Alors, hop, faites attention. Ça va peut-être piquer. Je mets du désinfectant, tout ça. Hein. Tiens, 1, 2, 3. Hop là, hop. Avec le bandage. Il parle ou il parle pas? Bon, monsieur, vous allez parler. Parce que sinon, on va commencer à être violent, quoi. J'ai pas envie de parler. Bon, bah, je vais chercher ma caisse à outils, j'arrive. Bon, bah, les couilles. Alors, c'est bon. Si tu parles pas, tu crèves. De toute façon, il va. De toute façon. Maintenant, de toute façon, il va. Maintenant, vas-y, pas, allez. Hop, je te retourne, tu peux nous voir. Hop là. Tiens, je t'attache comme ça. Voilà. Bon. Alors, moi je vais enlever mon masque. J'ai pas besoin de vous cacher. Alors, tu te souviens de moi? La personne avec ce casque, elle peut se cacher, je la connais pas. Mais la personne avec son masque encore derrière, pas besoin de te cacher. Tout à l'heure. Alors, est-ce que tu te souviens de moi? C'était visible. Tu te souviens de moi? Tu te souviens de moi, hein? Alors attends, du coup, dans ma caisse à outils, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de bonnes choses. Ah bah tiens, non, pas ça. Vous vous souvenez de ça quand même, hein? Ouais. Ah, vous vous souvenez. Bah, je vous voulais reparler, ok? Alors, attention, ça va faire un peu mal. Attendez. Oh, connard. Attendez. Alors, vous savez que là, vous frappez quand même un mineur. Eh, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu vas crever de toute façon. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Personne ne le saura. Tu seras mort, crève, tu crèves. T'inquiète, moi aussi je suis mineur, t'inquiète. Ouais, et tu te souviens d'elle? C'est ce que tu lui as fait. C'est ce que tu lui as fait. Moi, pour ça, je pense que ça mérite un petit coup de clé. Allez, une petite clé anglaise. Ça va aller? Et merde. Tu lui mets à côté là. Voilà. Ouais, je lui mets à côté.
Maintenant, tu vas voir mon visage, ok? Ok. Prie-moi pour pas que tu crèves. Vas-y. Après, si tu veux crever, tu le dis. Prie. Non, t'as pas envie. C'est con. Hein. Bon, dis-moi pourquoi tu voulais faire ce rallye, juste pour. Pourquoi je voulais faire ce rallye? Ouais. Parce que c'était un... parce que c'est mon plaisir le rallye. Et je voulais en organiser depuis très longtemps. Oui, d'accord. Et tu fais quoi dans la vie, mon petit? Je fais quoi dans la vie? Je travaille. Ouais, mais dans quoi? Dans la façon légale ou illégale? Moi, je sais ce qu'il fait. Légale. Ah, moi aussi, c'est juste parce que j'aime bien lui faire patienter. Bon, alors, je vais te présenter un petit peu, hein, parce que à ce que je vois, lui, tu le connais pas, si? Tu le connais? Si, moi, je le connais. J'ai déjà vu. Ouais. Alors, je vais te présenter un peu, hein, Alors, je te présente, bon, je vais pas te dire les noms parce qu'on sait jamais, hein, mais... Ah, et puis tu sais quoi, de toute façon, Adrien, voilà, il s'appelle Adrien. De toute façon, il va crever. Ouais, de toute façon. C'est le père de... Merde. Attends, oh, tu peux dire mon vrai prénom, de toute façon, je l'ai en joue. Voilà. Tu vois? Zoé. Zoé Tchen, je crois. Ouais, c'est ça. Tu vois? Voilà. Et ouais, comme malin. Alors, moi... Quoi? Non, je suis pas... Ça, non, je suis plus... Non? Ouais. Ouais, alors... Tu vois, ça... Vas-y, mais continue à insulter, c'est bien, c'est bien. Moi, je vais te dire une chose. De toute façon... Je vais te dire une chose. J'aime pas les mecs comme toi qui veulent y aller trop vite et qui jouent avec les sentiments. Parce que de base, tu me recrutes sans me connaître. Forcément. Tu veux juste, tu vas faire taper un petit coup et te barrer. C'est tout ce que tu voulais faire en fait. Non, c'est ça que tu voulais faire. Pas du tout. Non. Un peu juste un peu buté, laissez-moi. Écoute, depuis qu'en fait. Attends. Depuis que tu m'as fait rentrer dans ta putain d'organisation, j'ai que des soucis. T'as ton putain de cartel qui me poursuit parce que tout simplement il me suspecte, alors que toi, tu fais des trucs avec le président. C'est celui qui pourrait être le plus suspecté, c'est toi. Mais non, comme par hasard. Le président. Ouais, c'est ça. On sait très bien que c'est toi qui as fait la demande au président. Et on sait très bien que tout ce que t'as fait. Un truc, tu m'as balancé. Tu vois ce que t'en dis, tu vois. Là, tu seras un citoyen normal, tu vois. T'aurais fait pas n'importe quoi. Tu serais pas ici. Tu serais peut-être encore en train de faire ton rallye. Tu vois. Il y a qui va venir à ton rallye? Il faut bien aller. Je vais dire que monsieur a eu un petit souci. Un petit souci maladie. Regardez déjà l'heure. Il devait commencer à 21h30. Ouais. Et ben on va finir. Ben si vous voulez, on va finir ça vite. Alors attendez. Ben tu sais quoi? Attends. Va chercher de l'acide pour faire disparaître son cadavre. Fais ce que tu veux. C'est quoi Zoé? Moi j'ai fini, je l'ai mis quelques coups. Moi je suis content. Zoé? C'est quoi qu'est-ce qu'on va faire? C'est lui qui t'a fait. Attends, je vais le chercher, attends, juste je termine de dire ce que j'ai à dire, ouais, on va le faire, je vais chercher le papier. Alors ce qu'on va faire, c'est quand même, on va lui laisser un petit truc. C'est bien parce que je suis gentil, je vais te laisser creuser ta propre tombe, la mienne. J'ai une idée, je viens d'avoir une idée. Quoi? Non, on va laisser creuser sa propre tombe. Non, mais attends. Voilà. Ça, c'est un beau cadeau que je te fais. C'est pas donné à tout le monde. Alors, monsieur, est-ce que vous pouvez signer ce papier-là? C'est très important. J'ai pas envie. Et merci de m'avoir. Vous avez pas envie. Merci de m'avoir balancé à la police. Merci de m'avoir balancé à la police. Attends, j'ai juste un truc à dire. Juste un truc à dire. Ouais, vas-y. Je sais plus ce que je voulais dire. D'accord. Ah si. C'était ridicule. Merci de m'avoir balancé à la police, président. Il manque de vol, personne t'a cru. J'ai balancé personne à la police. Arrête. C'est bizarre parce que depuis que je t'ai connu, le président il est en train de me soupçonner depuis quelques jours. Même s'il le dit pas, il en pense pas moins. Soupçonne de quoi? Je
Disons qu'ils me soupçonnent de faire l'illégal alors que j'ai pas réellement commencé. Moi, j'ai un truc à vous dire. Le président, c'est pas moi qui ai eu le contact. C'était mon vrai père qui avait le contact, le président. Eh, quand même par hasard, comme par hasard. Et comme par hasard, et quand je rentre dans l'organisation, à peine en quelques jours, alors que j'ai été tout le temps avec vous, etc., je suis déjà suspecté. C'est quand même beaucoup grand. On va faire simple. T'as voulu essayer de me faire tomber. T'as fait de la merde. Pourquoi t'as fait ça? Vas-y, dis. T'inquiète, on attend. Bon, allez, maintenant, Zoé, moi j'en ai fini. Maintenant, cet homme, il est à toi. T'en fais ce que tu veux. T'en fais n'importe quoi. Tu peux le tuer, tu peux l'étripler, tu peux lui couper un morceau. Tu fais à toi. Moi et Adrien, allez, on va se casser dehors. Tu fais ce que tu veux. C'est un acide ou quoi? Non, c'est bon, il est attaché. Tabasse même, évite de le tuer, je veux qu'il crasse sa propre tombe. J'ai pas fait la salle de prier à sa place. Bien, Adrien, laisse-la. Adrien, ouais. Tu devrais y aller. Moi, tu sais, j'ai encore quelques problèmes avec la police. Tu devrais y aller. Genre, tu sais, dire que c'est annulé, qu'il a un arrêt maladie. Tu vois. Non, mais moi, je dis rien. Parce que. Vas-y, je vais y aller. Je vais savoir sur lui. Je suis pas son pote, moi, je le connais pas. Vas-y, je vais dire que c'est annulé. Hop, je te rattache les mains. Attends, laisse-moi l'hélico. Et les pieds, comme ça, tu peux pas avancer. Bah, tu veux que j'aille comment? Attends. Je t'ai rattaché les mains et les pieds. D'accord? Dis rien. Ça se trouve, ils vont le chercher partout et ça se trouve, ils vont retomber sur nous. Si tu veux vraiment qu'il creuse, tu ramènes de la cible. Vas-y. Non, t'inquiète pas, il va pas creuser ici. J'ai une idée. Attends. Tais-toi, toi. Non, il lui fait boire de l'essence. On a voulu me faire boire de l'essence, viens, on lui fait boire de l'essence. Non, t'inquiète. Un flic a voulu me faire boire de l'essence. T'inquiète, on va faire autre chose. Par contre, il faudra que tu le portes parce que je vais attacher les pieds et les mains. Vas-y, on va le porter. Parce qu'il est assez gros. Bon, en attendant, je vais mettre quelques petits coups de tatane. D'accord, qu'on est dit, quoi. Dis-moi, mon petit. Tac. Je connais les codes, ça ne gêne pas, parce que j'ai un petit endroit, je sais, là, il pourrait... Ça fait combien de temps que t'es en vie? Ouais, t'inquiète. Parce que... Combien de temps que t'es? Un mois. Même pas un mois, et vous allez mourir. Pourquoi avez-vous eu l'idée de faire de la merde, comme ça? Vous savez, je vais vous dire un truc. Adrien, c'est comme mon meilleur pote. C'est plus qu'un pote, tu vois, il a toujours été là pour moi. Donc, tu vois, sa fille, j'essaye de la protéger de mon mieux, tu vois. Tu vois. T'as fait de la merde, gros. T'as fait de la merde. Je te le dis d'avance. Moi, je comprends pas pourquoi je sais pas, ça va, t'as l'air intelligent. T'as l'air intelligent. Bon, peut-être pas gentil, mais t'as l'air intelligent, tu vois. T'aurais pu réfléchir à tes actes avant de faire de la merde. Attends. Réfléchir. Non, ouais. On va dire réellement ce qu'il a fait. Maintenant, en plus, j'aime bien faire attendre les gens. Maintenant, tu vas avouer les choses. Parce que je sais très bien que c'est toi qui as voulu essayer de me la mettre à l'envers. Et qu'en essayant de m'accuser pour ton organisation, pour essayer de me buter après. Si tu mens, on te met un coup de clé anglaise. Parce que je dis. Allez, alors ça sert à rien que j'avoue parce que je n'ai rien à vous. T'es sûr parce que moi je vais m'échauffer le bras. En gros tu confirmes que tu voulais me buter, que tu voulais me la mettre à l'envers, c'est ça? Ah non. Bah, vas-y. Pourquoi tu mens? Non, ça sert à rien parce que pour vous je vais mentir. Ouais, attends, je vais te dire un truc. Vas-y, tais-toi. Désolé, avec la vérité qui blesse. Oh putain, j'ai de l'enculé lui. Ah, si je sors, je vais le défoncer. Oh. Il fait bientôt nuit, on pourrait commencer à aller pour qu'il crasse la tombe, non? Putain. Qu'est-ce que tu pensais de moi réellement? Dans le gang, un bon potentiel pour faire de la qualité. Ok. Bon. De faire de la bonne qualité, parce que personnellement, moi je fais 96% de qualité. Toi, t'es pas loin. T'es peut-être au-delà de moi. En qualité. Alors explique-moi pourquoi à peine en quelques jours je suis rentré et j'entends qu'on commence à me suspecter. Ah bah j'en sais rien.
J'en sais rien du tout. Ouais, on va commencer là. Maintenant, je repose la question parce que ça me répond pas du tout. Première fois que tu m'as vu, t'as pensé de quoi, de moi? Bah, rien. Ok, donc en gros tu penses à rien et tu me recrutes comme ça, alors qu'à peine alors que tu me connais à peine. Ah, parce que t'étais aussi dans un champ de cannabis. Et qui dit que réellement je faisais réellement du cannabis? Zoé, il faut qu'on se dépêche, il commence à faire nuit. Je laisse le porter du coup. Vas-y, je vais le porter là. Alors, mon petit pote, hop, je te rattache les bras, je te remets bien les jambes cette fois, tac, je te porte, hop, putain t'es lourd, t'arrêtes les kebabs. J'arrête les kebabs, t'es marrant, je suis végétarien. Et bah arrête l'herbe, c'est le cas de le dire. Ouais, vas-y, ça, vas-y. Vas-y, attends. Peut-être pas, on va l'intérêt ici. Voilà, viens là. Viens là. Ouais, tu montes. Attends. Vas-y, tu montes. Oh putain. Allez, tiens-le bien, je sais pas qui s'étendra de l'autre. Oula, attends. Je suis pas en train de prendre un coup d'hélice. Pour ceux qui vont à l'arrière, tiens-le bien. Vas-y, T'inquiète. Je t'ai pas amené un petit endroit sympathique, là t'auras une belle vue. Au cas où je le prends avec une arme. La plupart des gens j'aurais pu leur cadavre, j'aurais été genre plein vol. Ils sont fait pas d'avoir moi la plupart des gens, je leur ai mis très très loin dans la mer, je leur ai lâché. Ils seraient morts noyés, seuls et cons. Tu vois ce que tu lui fais en plus, hein. Tu vois, regarde comment, dans quel état elle est. Tu vois, ça t'amuse ou pas? Ça t'amuse? Réponds quand je te parle. Ça t'amuse? Je vais lui faire avaler mon flingue dans sa bouche. Voilà, je vais lui faire avaler mon flingue. Voilà, gorge profonde, mon pote. Tu vas prendre cher. Faut t'enculer avec un fusil à pompe. Bon, il faut que je retrouve un avant, mais t'inquiète, je m'en trouve même. Maintenant, réponds. Merde! Mais wesh! Ah. Quel con! Tu vois dans quel état elle est? Bon. On commençait pas à m'appeler, voilà. Bon. Moi je parle d'une personne qui va t'as dit qu'elle était une marde, qu'elle a foutu dans la merde et que moi je vais pas foutu dans la merde comme tu l'as fait foutu. Descends tout de suite, porte le bas, c'est bien. T'en as pas déjà, alors pas encore. Allez hop, je te porte bien toi. Ouais, si tu veux. Ouais, c'est bien. T'as qu'à sortir ici, on va les s'attendre. Ah bah tiens, putain, j'ai une croix, super. Allez, tiens, je te mets là. Voilà, vas-y. Allez, creuse. Tiens, je te passe une pelle. Pas de pelle. Creuse. Ah, sinon. Mais si, t'inquiète. On va le faire creuser avec les mains. Ah, comme un petit chien. Il saigne, tu vois. Allez, creuse. Creuse. Tu fais comme les chiens, tu m'inquiètes pas, tu creuses. Creuse, je te dis, creuse. Je creuserai pas, mon bon les couilles. Creuse, tu commences à me casser la tête. Ok, d'accord, on va faire plus simple. Hop. Voilà, allez, hop, tiens, Adrien, je te le passe, tiens, tu l'attrapes, tu le gardes, moi je vais creuser à sa place et je vais faire un bon trou. Ah. Est-ce que tu vois la tombe arriver là, hein? Elle
Alors ça fait quel effet de voir sa tombe alors que t'es même pas encore. Allez, on va en faire. Ouais, je t'aime aussi. Allez, allez. Avance, avance. T'aides pas, j'ai trop jeune. Hein. Voilà, allez, viens là maintenant. Viens ici là. Pile ici là. Là. Voilà, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Alors avant. Attends. Alors, as-tu un mot, un dernier mot avant de crever? Non, c'est moi qui le fais. Pas de problème, vas-y. T'es sûr de toi? Mais attends. T'es sûr, vraiment, t'es sûr. Tu veux que je le fais, hein? Non, Zoé, arrête. Avec sa gueule, j'ai attrapé le canon. T'inquiète. T'es sûr, vraiment? T'inquiète. C'est toi, Bogdanov. Vous pouvez vous éloigner, s'il vous plaît. Vas-y. On va prendre un snap. Spotlight. Snap, allez. Il y a un conseil. Je mets sur YouTube. Mais les deux autres. Ok. C'est bon. Explique-moi s'il te plaît avant que... Moi je n'ai rien fait. Pourquoi à peine que je rentre, tu me recotes? Pourquoi je suis déjà... Parce que comme je t'ai dit, t'avais un bon potentiel. Je l'ai vu dans tes yeux. T'avais un bon potentiel là-dedans. Moi j'ai 96% plutôt. Pour moi, tu aurais été au 100%. Mais c'est gay alors que... Parce qu'en fait ton chef me soupçonnait à peine que je suis arrivé. L'autre de cartel, il me soupçonnait. Y'a que toi en fait qui aurait pu très bien me balancer ou autre. Qui c'est? Si te soupçonnait, il aurait peut-être vu quelqu'un pour faire ça, réfléchir un peu. Il parlait de la police ou je sais pas quoi, mais... La police, y a personne. C'est très bien que je suis proche de la police pour prendre les informations. Aussi au niveau de ça, mais moi, tu crois que je t'aurais dénoncé et que j'aurais rien dit? Et je... Attends, tu crois que je t'aurais dénoncé pour pas avoir des informations? Réfléchis, les fous. Pour moi, y'a que toi qui aurais pu essayer de me mettre en vrai. Moi je n'ai rien dit. Je vais te dire une chose. Quoi? Moi tu sais qui je suis et que tu peux très bien me balancer à quoi que ce soit. Je vais pas avoir le choix de le faire. Ton avis, pourquoi je pleure et pourquoi je suis comme ça? Parce que tu m'adorais. Exactement. Vas-y, tiens, rebouche le trou. Ouais, vas-y. On prend le plein en rouge. Viens là. Ouais. Je sais que c'est compliqué. Putain. Allez, viens là-bas, viens me faire un canard. Viens là. Allez, viens là, putain.
sais que c'est compliqué. Ok. Je sais que c'était difficile. Putain, y'a plein de sang là. Ok. Au moins, tu vois. Tu vois, c'est... Comment dire, c'était quelqu'un de mauvais. Hein? Tu le sais, c'était quelqu'un de mauvais. Il y a un petit cadeau, ça retombe pas. J'aurais pu le faire changer d'avis et faire ce que j'ai proposé à Pabs, mais. Tu sais très bien que c'était pas possible. Il a fait n'importe quoi. C'est trop tard, c'est fait. C'était trop tard, de toute façon. Là. Il a été trop loin. En plus, t'as vu combien il t'a manqué de respect là-bas. Tu pouvais pas faire non. ça. Il me manquait pas vraiment de respect. Bah, il t'a insulté. Mais t'as nous insulté. Ce qu'il a fait changer, c'est. Ce qu'il a fait changer, c'est leur forme et organisation. Il était différent quand avant que je rentre. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. Mais... Bon, allez, venez, on se barre avant qu'il y ait les flics qui répliquent à cause du coup de feu. J'étais avec le silencieux, t'inquiète. Ok. Ok, c'est pas de ta faute. Regarde-moi. On se barre, si ouais. jamais quelqu'un veut que vous appelez les flics. Je sais bien que c'est pas de ta faute, ok. Appelle-moi Julie, okay. Parce que Zoé, ça me rappelle beaucoup trop de trucs. Ok, Julie. Tu sais que c'est pas de ta faute, toi. Allez, monte avec ton père. Monte à... Voilà. Wesh, voilà. attends-nous, hé hey. Wesh. Attends-moi. Allez, monte. Ouais. Non, j'ai sauté. Attends. C'est bon. Bon. Allez, on rentre bien. Allez. Bon, bah, t'as ta baraque, de toute façon. Tu sais Zoé, si tu veux parler, tu sais que t'as ton père, t'as moi, tu sais que t'as deux demi-sœurs, ouais, c'est ça, je crois, une belle-sœur, je sais pas quoi, un truc comme ça. Tu vois, tu sais que t'as ça. Tu sais que tu peux parler, ok. Si t'as besoin de parler. Ce que vous comprenez pas, c'est que je viens de buter celui que j'aimais. Je sais, c'est compliqué. Ah putain, Zoé, c'est que c'est compliqué. Il faut que tu vois, il faut apprendre à tourner la page des fois. Je sais que ça va être compliqué, ça va être très très dur. Il faut apprendre. Et je m'appelle pas Zoé, je m'appelle Julie maintenant. Je sais, il faut que ça me rentre dans la tête. C'est compliqué encore. Donc Julie, si t'as besoin de parler, tu sais que je suis là. Ton père aussi, tu vois, il y a plein de monde pour toi. J'ai pas envie de dormir. C'est...